Et grand monde l'autre toujours dit jou malè wanga pas servi. Ça c'est sans menti. Oui. Mesdames et messieurs, sobra le temps de là, nouvelle ou pral temps de là, a faire au content, a faire au lever danser, a faire au prier bon Dieu, mande pour que ça chaque jour yon bagay comme ça pas passer dans pays d'Haïti pour deux trois moun. Alejandro, n'a pli non ça en espagnol parce que depuis ces nouvelles ça qui n'a bay fait langue non léger. Alejandro, c'est un gros bandit dans groupe gang vite l'homme a dirigé. Et bien, monsieur là, il est arrivé bread le bouche li. Mes amis, c'est pas ensemble avec gang parallèle tap bataille. C'est pas la police qui met dominant gel. Mes amis, c'est yon limena qui donc madame gang nan qui mette dominant gel gang nan. On connait pas demander comment ça fait faire. Comment faire une femme gen cran pour tuer mari qui c'est un bandit, il connaît qu'à n'importe quel moment bandit katouyel. Et bien, restez là pour prendre compte plus de détails comment gang ça a tombé et ou a demandé bon Dieu pour que ça chaque jour des trois bandits pas tomber comme ça. Rete là, nous parlons plus de détails. Dossier sanction, mesdames et messieurs. Après Canada et États-Unis mettent ensemble là, puis ils commencent par sanctionner tout gros palto, tout gros politicien, nous connaissons qu'on a fait gros gorge dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est tout pas Royaume-Uni qui a décidé, à partir du 28 décembre qui a venu là, en pile sanction pour aller tomber sous gros palto, ça y est, qui donc, yo pas ka comme si rentre dans un pays, ya. Visa ou ap coupé, tout bien ou gagné dans un pays, ça y a gelé tout net, qui donc tout l'argent, quoi, devait ça ou te gagné dans un pays, ça y est, yo déjà perdu tout net à partir du 28 décembre là, et non, nek ça y est, ap nan la rue, pour faire connaître que c'est tel nek ça y est, cap financier gang dans pays d'Haïti. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la vidéo, ça, et j'ai comme toujours dit, c'est toujours un plaisir pour moi, pour venir parler ensemble avec vous. Tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous pour trouver ça. Et pas oublier d'activer la cloche notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci à vous même qui pouvez faire ça Kounia la même. Parce que nous sommes intelligents, ou pas oublier perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Et j'ai quand même annoncé au commencement de vidéo à mes amis, nous pral bon détail comment un gros gang dans base vite l'homme a dirigé a fait mourir mes amis. Alejandro, un gros bandit dans gang vite l'homme nan qui c'est bras droit chef gang Patrice qui était qu'on dirigé en bagalette, mais c'est tombé vendredi a. Et bien Alejandro fait connaître qu'il pas prendre en balle parce que là l'en plusieurs guerre déjà, là l'en plusieurs bataille déjà, n'a tiré sur lui pas jamais prendre en balle. Mais qui ça me s'est décidé faire un bonjour matin levé qui c'est vendredi a, qui ça me s'est fait Monsieur prend un zam, li rele yon fam ni, et puis il dit, chéri, m'ap kampe la, mes zam sa, vide bal sou mwen, m'ap provoke m'pa pren en bal. Qui veut dire, lè m'pren la ria, mal langue, ou pa besoin gen kè sote pou mwen, parce que m'pa pren en bal. M'pral moutou ki est ki mwen nan jodi an la, et bien, ou met décharge zam sa sou mwen, mwen pa pren en bal. Et bien, li mena ki sa li mena fè li même, sans hésiter, li rale 12 li même, et puis ki sa le fait, premier katouche la premise nan tête, sortant de ya, Alejandro, tombé tête noue départ mes amis actuellement là go gang ça qui c'est Alejandro monsieur abwe ti de glace là dans l'enfer mesdames et messieurs je toujours dit jou malè ou anga pas servi a fait question de oui ou prend pause ou pas prendre en balle et toi film nek ça regarder quand on regarde dans film on a dit pas prendre en balle et pas tirer et puis tirer sur mon nebo mon pas prendre c'est faux balue mes amis man imbécile n'a pas connu George. Vous avez un peu de monde là qui a dit pour que ça chaque jour, des trois bandits pas tomber comme ça dans le pays pour nous libérer ensemble avec groupe gang ça qui a marché, théorisé la population, mesdames et messieurs. Alejandro, tu penses que Boko a. Il a toujours dit ça. Boko a pris le badou, dormi dans le cal, fou frem. Avec ce de pas prendre un balle, a fait show off, fait qu'on est by zam, puis tirer sous, pas prendre un balle. Eh bien, frem, ou ap kon George. Et pour venir, nous prenons le quitter ensemble avec Dr. Harrison Ernest qui a réagi sous sanction. Pays Canada et pays États-Unis bay un paquet autorité dans pays d'Haïti cap financer gang dans pays socialement et comme association aspect ça écoute on a parlé de association n'a pas de citoyen citoyen n'a pas de pays qui texte de loi qui fait Haïti marcher même si on mépris de la constitution même s'il y a un problème même si le tribunal n'a pas qu'à fonctionner texte de loi ça veut dire un pays au-delà du drapeau, territoire, géographie, c'est la loi. Et c'est ça que vous refusez de mettre devant. Ce n'est pas pour nous mettre devant, d'abord, c'est la loi. Constitution, la loi. Maintenant, c'est la constitution et surtout la loi qui sanctionnait les infractions. Les infractions. Donc jusqu'à présent, en Haïti, là, pour qu'on ait aucune institution judiciaire, pour qu'on ait aucune institution exécutive,
pour qu'il y ait personne en Haïti justement qui sorti des rapports très clairement bah étatiques qui vous dit mais tel. Cependant, en pile manifestation fait déjà, en pile dénonciation fait déjà autour de Petro-Caribé un peu avant Petro-Caribé, tu gagne Duvalier jusqu'à ce que le mourir en quelque pas bye avant Duvalier, tu gagne l'autre. Donc ça veut dire journée jodi hein. Et blanc, lui répète exactement tout ça, haïtien dit déjà, mais rien de concret, pas jamais fait. Donc, au niveau nous-mêmes, on dit ça, on a regardé le pays a bloqué, il y a un problème, c'est-à-dire, au niveau interne, nous pas qu'à faire rien. Au niveau interne, nous pas même qu'à faire un bon diagnostic pour nous garder mal de citoyens haïtiens à faire payer, et puis pour la justice sanctionner. Ça veut dire quoi? Les étrangers. Yo dit yo prend sanction, mais sanction Canada, c'est pour loi canadienne. Sanction américaine, c'est pour loi américaine. Sanction française, c'est pour loi française. Mais jusqu'à présent, je dis, hein, si t'es n'importe qui non là, qui rapport ça yo avec la justice haïtienne, et même l'exécutif, pas gagné dit. Nous ne pas le plus loin comme association. C'est pour nous dire, je dis, hein, le retour à la vie citoyenne du capital. Je dis, hein, c'est moun kap vive en Haïti pour nous garder, pour nous éduquer yo, dans la famille. Yo. Pour yon éduquer de façon civique, pour yon connaît comme moun yon doit attacher à pays yon. Yon doit faire ça bon, comme moun yon doit combattre ça pas bon. Tout autant, ce n'est pas haïtien qui sanctionne, haïtien qui fait ça pas bon, pour que la justice soit pour plein de poté. Et puis, de façon équitable pour justice bail, tout ce qui a fait là yon, y a fait bruit, y a parlé après 6 mois, 1 an, pas tant de rien, toute sanction levée. Et puis, dernier aspect, ma petite allez pour nous. Écoute. Qui est-ce qui te connaît à l'en parler les lettres de créance à bail? C'est pas nous-mêmes là, journalistes à le couvrir. Qui est-ce qui te connaît dans le parlement à faire réunion, battre bravo? Qui est-ce qu'on invite à l'étranger à l'en belle réunion, dominer hôtel, manger bois? Comme si blanc yon fait découvrir que nous sommes en corruption? Ça a critiqué là, c'était pas qui étant sous plusieurs années. Mais pendant plusieurs années, ça, yo, qui est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui coopération qui baille l'argent, qui finance toute calte d'activité? Comme yo dit, tu as volé, tu as fait l'obé, qui est-ce qui compte baille? C'est les blancs, donc qui est-ce qui a information? Pourquoi c'est maintenant? Donc ça veut dire que c'est ça qui fait une éducation, le capital, l'éducation civique. C'est-à-dire, n'importe bagage qui doit dire, mais l'obé, une capacité mentale pour raisonner, pour observer, ou quand si pour avancer, si pour reculer, si pour garder. Maintenant, la solution doit être haïtienne. Il faut nous réfléchir, il faut nous prendre conscience, il faut nous prendre décision. Et c'est peut-être ça, je veux dire, ce n'est pas parti politique qui est important, ce n'est pas accord qui est important. Il faut un retour à la mobilisation citoyenne pour que tout citoyen et toute citoyenne comprennent ce qui est passé là. Ils reprennent confiance, ils reprennent contrôle du pays. C'est eux pour dire. Mais ça a été fait, et puis travaille pour mettre justice en place pour que vous appareil justice qui prenne des décisions pour permettre des sanctions pour tout le monde budget pénal pour ça pas recommencer encore. Côté m'a parlé là, il y a des zones pas capables, il y a des bagages pas capables. Donc, l'on est, c'est lui seulement qui te connaît 26 en Haïti, c'est lui seulement qui te connaît 28, c'est lui seulement qui te connaît 20 série de bagages. Ouvrez toute l'argent, bravo. Bon, nous ne pouvons pas le faire, c'est Haïti ou Abayo. Maintenant, qu'on y a, les gens besoin de bâtir, non, mais qu'est-ce qu'on va acheter ciment? Les gens besoin de dire, non, mais qu'est-ce qu'on va acheter? Nous ne pouvons pas penser à tout ça, yo. Comme si tout le monde, ouais, a fait l'obéille. Mais il faut penser, c'est vrai que ça ne va pas faire de l'obéille. Mais c'est où mettre tout le bâtiment, oui. Qu'est-ce qui est bateau? Qu'est-ce qui rentre bateau? On dit qu'il n'y a pas de rentrer. Qui est-ce? Est-ce que blanc a venu avec de l'autre investisseur étranger? Ou bien est-ce que il y a des haïtiens, il y a l'autre bois qui sont des investisseurs qui ont venu remplacer les gens? C'est-à-dire, on n'a pas tangé nos bagages et puis on n'a pas de bravo, ça compte, ça ne compte pas. Mais on ne comprend pas. Le plus important, c'est demain. Comment demain sera dans ce pays? Ça veut dire, si une bagage ça, il y a pire que ça, on a gardé là aujourd'hui. Ce n'est pas battre bravo seulement, il y a pire. C'est-à-dire que demain, ou cap nos situations, paysan, il vient plus mal que Jean Lieu aujourd'hui, que tout nèg sa yo, et me tire sur caché l'autre côté, à l'autre côté, mais je dis à qui est-ce qu'a entrepreneur? Est-ce que moi-même qu'a entrepreneur à qui cob? Est-ce que m'ka vendre jure? Est-ce que m'ka vendre ciment? Ça m'ka faire. Donc ça dit tout le monde qui a bataille yo là, faut nous bagarre même j'ai sanctionné leader politique. Leader politique à son parti politique, yo sanctionné le bon. Mais là qu'est-ce que nèg yo au quotidien? Mais business, entreprise, c'est l'argent.
Donc, il nous faut d'autres entrepreneurs, il nous faut d'autres hommes, d'autres femmes qui ont moyens, qui honnêtes, qui propres, qui pour permettre le peuple à jouer de moyens, elle a besoin d'acheter, elle a besoin de vendre. Mais comment ça va faire? Personne ne va dire nous. Alors, je dis à son grand jour pour Parti Consul la vie. Et Parti Consul la vie lui-même qui a contribué dans la question de formation politique des citoyens. Donc, il était une nécessité pour lui et honorer la plateforme pour la vie pour le travail. Alors, l'association est là pour faire formation sociale. Donc, c'est ça qui a permis à un parti politique de bien fonctionner. C'est lorsque il y a deux personnes qui sont dans l'association, qui déjà ont une formation et qui viennent dans le parti politique, là, pour y a, qui viennent prendre des formations politiques qui peuvent bien permettre que les citoyens soient conformes avec la dynamique politique là, et comprennent les normes sociales au côté de la vie évolue. Donc, par rapport à la question que je pose, nous avons une situation qui est très difficile. En pile problème en d'un pays. Hein? Mais pour ce qui concerne la vie, il était clair dans la proposition que j'ai fait, il faut gagner des actions concrètes qui posent pour comment au moins gagner des plans de sécurité qui mettent en place pour accompagner la population hein? Et arriver et poser bon basio pour organiser l'élection et renouveler le personnel politique. Donc, proposition que j'ai fait, il était clair et à la veille, nous t'ai présenté deux plans que nous gardé nos aspects conjoncturels, mais nous t'ai gardé tout nos autres aspects qui c'est aspect structurel là. Et jusqu'à présent, dans toute réflexion que nous avons fait en deux parties construire la vie, nous avons dit avec acteurs, avec gouvernement, avec toute notre partie politique, pour nous pencher sur axe structurel là. Et c'est axe structurel ça qui va permettre au moins nous poser bonne action pour et permettre que sécurité ça ou bien problème de sécurité ça qui a ravagé le pays là, nous arrivons à joindre une solution avec. Donc pour le moment, nous avons une situation qui est complexe, qui est très difficile. Et en janvier 2023, là, tiré sénateur qui était là, et sénateur pas plein encore, il y a encore une fois, ils ont vite par rapport avec tiré sénat. Donc, petit consulat, il était quoi que proposition que le fait et seule façon pour nous sortir avec crise que nous est là, faut gagner en légitimité qui dégage et légitimité ça pas gagner l'autre côté de la jeunesse, c'est à travers 10 départements. Chaque département représenté, et diaspora a une représentation en fait 11 et tout ça honnête, nous va permettre au moins nous chita avec légitimité et nous va poser bon action et bon basio pour nous aller dans l'élection pour renouveler personnel. Bon, ensemble, sanction qui Parti Consul la vie, lui pensait que l'action de poser avec un acteur politique, lui doit respecter toute norme sociétale et il doit respecter le principe qui régit mode de fonctionnement société. Donc nous-mêmes, jusqu'à présent, nous tendons qu'il y ait des sanctions qui prennent, mais nous ne pouvons pas gagner aucun document qui prouve réellement par rapport de preuves justificatives qui dit sanctions qui prennent, mais par rapport à tel bagage. Même là, il y a bail et sous qui axe que vous prenez sanctions. Mais au niveau de Parti Consul la vie, nous avons continué à réfléchir, nous avons continué à chercher, nous avons continué tout. Garder et action qu'a posé au bon côté communauté internationale là pour nous dire réellement action qu'a posé est-ce que c'est le action qui peut permettre une autre dynamique sociétale qui dégage dans le pays hein? Ou bien est-ce que son action tout qui gagne de l'autre bagaille qui caché d'elle? Mais nous même pour le moment nous avons fait réserve sur ça pendant que nous attendons de l'autre élément et c'est celle qui a montré action qu'a posé ou bien sanction qu'a pris ou c'est le bagaille qui et gagne véritablement de preuves justificatives. Pour permettre dynamique sociale, la dynamique politique là, il évolue bien. Merci la presse. Alors, PKL n'a pas célébré aujourd'hui. Hein? Alors, c'est 10 décembre, mais jeudi à 12, nous organisons une célébration ça aujourd'hui. Hein? C'est plateforme pour la vie. Parce que il y a un parti construit la vie, tout qui c'est PKL. Bref. Maintenant, jeudi, c'est parti construit la vie PKL qui prend l'initiative d'organiser cette cérémonie ça. Pour honorer 7 ans d'existence et de travail plateforme Gorilla Vie. Plateforme Gorilla Vie sont associations, j'aime être Tamir aussi, ça. Les baptêmes sont organisations sociales, sont associations et nous voulons contribuer dans la refondation Haïti, j'en suis déjà dit en dedans. Eh bien, pour participer à la refondation d'Haïti, il va falloir un comportement positif, il faut un changement de comportement, c'est peut-être ça. Et puis en 2015, on a parlé de révolution mentale. Mais nous disons révolution mentale là, c'est deux façons de arriver, c'est à travers l'éducation. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'il y a un gros problème au niveau des familles en Haïti. J'ai eu le vétimounio, j'ai une femme fait petite. J'en chaque mon abandonné à famille, j'en nous chaque évolué. Quand on a parlé là, toujours dans l'esquilal, qu'a juste font
un flashback, penser à côté de l'été fait, comment l'été levé, est-ce qu'elle a toute histoire, est-ce qu'elle connaît. Donc, ma même là, si l'été levé à maman, si papa pas de guette à mourir, à qui famille, qui situation nous l'a levé, est-ce que nous maîtrisons toute étape ça. L'un des 18 ans, par exemple, est-ce que tu mettez une chita ou dit nous grand monde gounien. Donc, nous évoluons gens qui pas favorables, parce que justement, par mon code familial en Haïti, pas d'aucune norme légale sur le fonctionnement des familles. Chaque famille a vécu Jean Pipito, Jean capable en fonction de moyens. D'ailleurs, pas d'une adresse, si pas d'une adresse, pas qu'un contrôle sous question famille. Donc la situation comme ça, qui type de citoyen l'État ici a formé? Qui type de citoyen, citoyenne Haïti pour quelqu'un? Donc situation, il n'y a pas qu'à l'autre gens que Jean lié là aujourd'hui. Donc c'est pas un hasard. Et cette situation ça, le noté étudiant en 2015 qui t'a pris le fait que nous venions avec vision courir la vie qui certes soit approche individualiste, alors qu'il n'y a pas eu d'association communautaire, collectiviste, mais approche là dans vision individualiste. C'est-à-dire, nous dit en attendant Haïti changer, il faut montrer chaque citoyen pour responsabilité. C'est ça où est le développement personnel. Donc, un, c'est pour nous dire qu'en 7 ans, nous avons aidé un pile monde à développer tête. Développer tête, un pile jeune garçon. Il n'y a pas ici encore qu'à l'étranger. Dans plusieurs départements, par exemple, nous sommes présentés à notre directeur exécutif là, que je ne connais pas, qui sont en ce débat. Je parle de Neurad, Neige Janvier, qui sont en Bassin Bleu. Nous présentons nos collines de l'homme, qui c'est mon Jérémy qui vient dans l'activité. Donc, nous-mêmes, ça n'a pas fait, c'est identifier les citoyens qui veulent pour nous apprendre à développer tête. Pas tant de monde vient faire pour vous, pas de monde qui va le faire pour vous. Développer tête, changer comportement, faire transformation mentale, leur commencer à faire pour nous rejoindre le monde et d'eau. Mais sous cet apprendre qui l'État, qui est. Donc, en fait, c'est sur ça que nous focus comme association, le développement personnel, la transformation mentale à travers l'éducation familiale. Maintenant, pour l'éducation civique, là, à 50% de l'État fait, sauf l'éducation familiale là. Maintenant, les gens prennent la rue, ils prennent le bureau, ils prennent la rue à quel que soit côté lié. Mais j'en remets tête, j'en développe tête, ils ne peuvent pas déranger l'autre monde. Donc, il peut changer comportement par rapport à l'autre citoyen. C'est peut-être ça nous dit problème Haïti, ce n'est pas un problème politique en réalité. C'est un problème de comportement. C'est un problème de comportement là, chaque monde. C'est un problème de comportement individuel. Donc, contrairement à ces jeunes qui font aux États-Unis, en France, au Canada, ils vivent dans le pays, tout est bien organisé, tout est là. Eh bien, ils ont évolué dans la société. Ils ont joué ça. Ils sont fiers de pays. Mais l'homme qui fait ici, Haïti, Jean-Baptiste, il est fier de qui ça? Il n'y a pas de fierté. Donc, son jeune. Donc, c'est sociologie haïtienne pour nous garder son problème de comportement. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous faisons choix comme association, comme organisation sociale, résister pour nous participer, un, dans la question éducation familiale, deux, dans la question éducation civique. Nous réaliser un pile séminaire, un pile formation, et un pile côté. Et priorité, c'est garder pour nous voir comment on a rentré plus profondément dans la section communale. Les paysans sont abandonnés. Depuis, on dit paysans, ouais, cultiver la terre. C'est vrai. Mais est-ce que le pas moun, est-ce que le pas consentiment, hein, il pas joué une service, etc. C'est peut-être ça, n'a pas continué de travailler malgré situation difficile pour permettre que, justement, nous atteignons le maximum de monde. Même si ça n'a fait à moins des moyens financiers, on va gagner trop de moyens, c'est cotiser, cotiser entre nous. Mais nous pensons qu'avec volonté citoyenne, les gens comprennent vision tout le monde. Parce que, où est le résultat ça va? Gang, insécurité, kidnapping, viol, tout ça, où est-ce qu'on fait là? C'est exclusion sociale là, oui. Tout ça, où est-ce c'est à moins de monde qui vit pour vieux, oui. Dans le quartier populaire. Tout ce qu'on fait là, c'est des bagailles qui construit en 10, 15 ans, 20 ans et plus, oui. Et puis c'est nous tous qui payons ça. Et bien si toute association qui a réussi dans l'affaire sociale, il y a combien de millions? Si tout a travaillé, tout bon, tout ça l'État a fait, secteur privé a fait, quoi qu'il y ait, il y a quitté, c'est à travers les associations de quartier, les associations des sections communales, les associations des communes, départementales. C'est eux qui a aidé. Au lieu député, sénateur, ministre, directeur général, président, concentré, c'est eux qui ont fait comme seulement, et pour y aller vers la corruption, et bien, il y a une décentralisation, il y a une déconcentration qui va permettre à tout citoyen d'exister, tout citoyen de participer. Même dans la question fatra, nous ne pouvons pas ramasser. Allez, tout en pile dans la presse, allez aux États-Unis, nous voyons comment y'a. Mais si vous pas impliqué citoyen, bien, pour impliquer, ce n'est pas dans le parti politique là. C'est d'abord. Bon, comment le parti politique fait fonctionner bien, quand est-ce que vous jouez si ce n'est pas. En association pour nous avons évolué déjà, qui pour faire le développer. Et voilà, c'est là que nous avons pensé à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier, abonnez-vous avec la chaîne là, c'est pour que vous fassiez ça.
et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et pas oublier de liker la vidéo pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!